Dieu. Crains de croire en l'Éternel. Alléluia. Deux choses qui vont ensemble. Deux choses qu'on a besoin dans notre vie. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est un texte qu'on va lire dans Exode 14, qui nous dit, dans ces versets, « Le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse. » C'est intéressant. Bien sûr, le mot « craindre » a deux sens. Il y a la peur, mais il y a le respect aussi, si on veut utiliser un mot qui se rapproche de la crainte de Dieu. Nous lisons ici dans Exode 14, à partir du verset 25. Il s'agit de la sortie... Oh, excusez-moi, j'ai oublié le micro. Hein. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hein? Alléluia. Exode 14, à partir du verset 25. « Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Les eaux revinrent et couvrirent les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors, il y a une couple de points là-dedans. En fait, il y a vraiment trois points. Et le premier qu'on va parler, c'est les chars. C'est intéressant. Hein? Les chars. Il y en a un qui aime ça. Mais les hommes, ils aiment ça, les chars. Hein? C'est intéressant parce que il y a eu des chars à travers toutes les époques. Hein? Dans le temps, c'était des 1 puis des 2 chevaux. Puis il y en avait des fois des 3 chevaux, les chars de l'armée qui étaient attirés par... Trois chevaux, là. Les chars. C'est intéressant. Revenez. Mais la parole de Dieu dit, la victoire ne réside pas dans la force ou la quantité des chars. Là, hein. Pharaon, chapitre 14, ici à Exode 14, verset 6, le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. Alors, les chars, les armées, vous savez, à l'époque, l'armée, il y avait des chars. Des armées puissantes, là, avaient beaucoup de chars. Mais il n'y avait pas juste des chars pour l'armée. Vous savez, les cultivateurs dans le temps, il y en avait des chars aussi, de toutes sortes. Il y avait l'armée, il y avait
Il y en avait qui avaient des chars de fer. Ça, c'était reconnu comme des armées vraiment puissantes, là, hein? Une armée puissante. Aujourd'hui, on a des chars, mais j'ai mentionné ici les corvettes. Mais il y en a d'autres sortes de chars aussi qu'on ont des Porsche, puis des Ferrari, hein, puis des Lamborghini. Puis il y en a plein. Il y en a, c'est des Cadillac, puis des Lincoln. Hein? Ouais. Il y en a, c'est des Cadillac, des Lincoln, puis des Rolls-Royce. Là, hein? Mais ce qui est populaire aujourd'hui, probablement, ce qu'on voit, en tout cas, moi, je lis ça des fois sur le journal, les VUS, puis hein, cette catégorie-là, puis les pick-up, hein, les hommes avec leur pick-up. Hein? Au Saguenay, ils appellent ça des pick-up. Des pick-up. Pick-up. Mais il y a les Harley aussi, hein, qui sont l'équivalent des chars. Hein. Il y en a que c'est le Harley. Hein. Alors, vous savez, des siècles ont passé, mais la mentalité n'a pas changé. Là. C'est comme les hommes et les femmes. Parce qu'il y en a pareil, aujourd'hui, on voit des femmes qui se promènent avec le Harley, hein? Puis le voiture convertible. Les femmes aiment bien ça, les voitures convertibles. Eux autres, c'est pas tellement la marque, hein, les femmes, c'est la couleur. Et si vous leur demandez, hein, c'est quoi son auto? Ah, il est rouge, hein? C'est quoi la marque? Bon, je sais pas, mais elle est rouge. Hein? Pour plusieurs, les autos, c'est comme, c'est un prestige, c'est comme, ils prennent ça comme montrer qu'ils sont, hein, qu'ils ont de l'argent. Et, vous savez, Dieu n'a rien contre les chars. On appelle ça encore des chars aujourd'hui, c'est intéressant, parce que c'est des automobiles, on a d'autres noms, mais le char est utilisé pour toutes sortes de sortes de chars. Même pour les trains. Hein, on disait, ah, il a pris le char. Il s'en allait à Montréal en char. Il y en a, il appelait ça aussi les petits chars à Montréal. Hein. C'était les tramways, ça, les petits chars. Alors, le mot char, c'est large. Mais on pourrait inclure dans, quand la parole de Dieu dit, pas un char important. La victoire n'est pas dans les chars, dans la quantité de chars, dans le nom du Seigneur. On pourrait mettre d'autres choses à la place des chars, de l'argent ou n'importe quoi. Là. Hein? C'est le nom du Seigneur qui compte. Alors, Dieu n'a pas donné d'ordre de ne pas avoir de chars. Si on regarde, par exemple, dans les Écritures, et je voulais quand même souligner cet aspect-là. Dieu n'est pas contre les biens matériels. Tout dépend de ce qu'on en fait avec. Tout dépend de notre attitude vis-à-vis de ces choses-là. Regardez, par exemple, dans 1 Rois 10, 26, ça nous dit « Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem près du roi. » Alors, Salomon, il a fait comme les nations. Hein? Il s'est servi d'une armée avec des chars, des soldats, des cavaliers qu'il a placés dans des villes stratégiques pour se protéger. Et Salomon, quand on lit les Écritures, il a reçu en cadeau de Dieu la sagesse. La parole de Dieu nous dit que c'est l'homme le plus sage qu'il y a eu. Et il a été reconnu dans son temps, à tel point que d'autres rois venaient lui rendre visite pour l'entendre parler avec ses paroles extraordinaires. Comment la reine de Saba, qui est venue, elle a dit on ne m'a pas dit la moitié de ce que tu es, hein. Mais là, mes oreilles ont entendu. Elle a trouvé ça extraordinaire.
Mais, donc, Salomon, il a fait plein de bonnes choses. C'est devenu un roi extrêmement riche, extrêmement puissant, bien organisé, etc. Et quand il a commencé son règne, Salomon, il servait Dieu, il servait l'Éternel. Mais quand on lit à la fin, c'est comme, vous savez, même les choses que Dieu nous donne peuvent devenir un piège. Par exemple, aujourd'hui, il y en a que les dons que le Seigneur leur donne, le ministère qu'il leur donne, puis il y en a eu de ça, hein, il y avait, comme Dieu les avait appelés à une œuvre en particulier, puis ils imposaient les mains malades, puis les malades étaient guéris par dizaines et par centaines, il y en a eu de ça. Mais ils se sont servis de ça pour eux-mêmes. Pour accumuler des biens, puis pour se montrer. Et ça a été le problème de Salomon. Salomon, sa grande connaissance, sa grande sagesse, il est monté à la tête. Hein? Il est devenu fanfaron, comme, puis il a pris des décisions par lui-même, et ça nous dit qu'il a commencé à servir d'autres dieux. C'est ça le problème de Salomon. Le problème de Salomon, ce n'était pas les chars, ce n'était pas ces choses-là, mais c'est ce qu'on en fait. Comment notre cœur se comporte face à ces choses-là, notre attitude. Alors, Dieu n'a rien contre les biens matériels. Même, tu sais, on voit dans Psaume 68, 18, les chars de l'Éternel. C'est intéressant, ça. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le Saint-Lieu. Alors, moi, ce qu'il faut comprendre par ça, est-ce que Dieu a littéralement des chars? Pas sûr de ça. Hein? On voit, par exemple, quand le peuple d'Israël a combattu l'ennemi, Dieu, il ne s'est pas servi des chars, il a juste mis la confusion, puis ils ont commencé à se battre entre eux autres. Dieu n'a pas besoin de chars. Hein? Dieu a créé tout ce qui existe, puis il n'y avait pas de marteau, puis il n'y avait pas de scie mécanique, puis il n'y avait rien de tout ça. Hein? Une parole, c'est ça, nous dit. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, par la parole. Dieu dit, et ça, c'est arrivé. C'est comme ça que Dieu fait ça. Mais, alors, pourquoi est-ce que la parole de Dieu parle de ça? C'est comme toutes les paraboles que le Seigneur a données. Ou encore, tu sais, Jésus est comparé au bon berger. Puis nous, on est comparé à des brebis, hein, le troupeau du Seigneur. Est-ce qu'on est des brebis? Non, on est des êtres humains. Mais c'est des comparaisons. Dieu se sert des images que nous connaissons, qu'on est avec lesquels on est habitué. Alors, la parole de Dieu se sert de cet exemple-là dans Psaume 68, les chars de l'Éternel. Tu sais, l'homme, sa gloire, c'est le nombre de chars, le nombre de chevaux, le nombre de soldats, etc. Salomon, il a fait faire des boucliers en or, puis etc. Quand on lit toute l'histoire de Salomon, là, il y avait une richesse incroyable, des boucliers en or. Il se pavanait avec ça. Et les nations étaient toutes ébahies de ça. Mais on ne voit pas Dieu qui condamne Salomon par rapport à ça. C'est pas ça le problème. Le problème de Salomon n'était pas avec ses boucliers en or, puis le nombre de ses chars, puis de ses cavaliers. Le problème, c'est que son cœur s'est détourné du Seigneur pour bâtir des autels à d'autres dieux. C'est ça le problème. Alors, dans notre vie, je pense que ce n'est pas notre cas nécessairement ici, là. On n'a pas des gros comptes de banque avec des milliards dedans. Il y en a à travers le monde qui ont ça, mais je pense que ce n'est pas notre cas. Mais ça peut être d'autres choses qui détournent notre cœur du Seigneur. Alors, Dieu se sert ces exemples-là. Dieu s'identifie avec nous. Hein? Il se sert
des choses qu'on connaît bien pour nous montrer ce qu'il est. Alors, l'homme voit la puissance dans son char, ben Dieu dit, moi j'en ai, ça se compte par 20 000, puis des milliers de milliers. Fait que, regardez, vous ne m'impressionnez pas avec ce que vous avez, là. Hein? Et c'est ça que je comprends, moi. Alors, moi, là, j'ai rien pour impressionner Dieu. Je dois plutôt être impressionné par lui, le Seigneur. Je dois être impressionné dans le sens que ma confiance est en lui. Pas dans ce que moi j'ai, pas dans ce que je suis à la base. Le psalmiste dit, je suis une créature merveilleuse. Mais Dieu est encore au-delà de ce que je peux être. Alors mes regards sont sur lui. Ça se compte par 20 000. Acab, il se pensait protégé dans son char. Il avait dit à Josaphat, moi je vais me cacher, là, je vais m'habiller autrement. Je ne prendrai pas le char du roi, là, je vais juste prendre un char de protection. Mais toi, regarde ton habit de roi. Il était méchant, Il était méchant. Parce que son idée en arrière de la tête, c'est que si l'ennemi cherche à tuer le roi, c'est l'autre qui va se faire tuer, puis moi, je vais être correct. C'est gentil, Il invite Josaphat pour se joindre à lui dans le combat, mais il place pour que lui se fasse tuer. C'est ça que c'est la réalité, là. Acab, là, il en avait des bonnes idées en arrière de la tête, Mais Dieu, ça ne le dérange pas. Puis on n'a rien à craindre de l'ennemi. La main du Seigneur est avec nous. Et donc, puis Acab, il s'est caché, puis là, tout à coup, l'ennemi, effectivement, a cherché à tuer Josaphat. Mais Josaphat, il a crié, et je pense que son cri a été entendu par ceux qui voulaient le tuer, mais il est entendu par le Seigneur aussi. Et donc, ils sont virés de bord, puis ils ne l'ont pas tué. Ils auraient pu le tuer parce qu'il se présentait comme le roi. Mais eux autres, à Cam. Les autorités avaient dit, vous touchez à personne, mais c'est le roi que vous visez. Acab, c'est Acab que vous visez. Et il y a une flèche qui est partie, que quelqu'un a tirée au hasard. Est-ce qu'il y a du hasard avec Dieu? Non. Boum, a tué Acab. Et voilà, son char n'avait rien de protection. Psaume 28 dit, les uns c'est à leur char, les autres c'est à leurs chevaux, mais nous c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur. Les chars ou les objets, n'importe quoi, ça ne peut pas et ça ne doit pas remplacer les ministères hommes et femmes, les personnes. C'est des femmes et des hommes qui sont appelés à faire l'œuvre de Dieu. Ça ne doit pas se faire mécaniquement, puis simplement par habitude. Ça doit se faire avec un cœur ouvert au Seigneur. Une occasion dans 2 Samuel, ici, qu'on voit, où le roi a mis... Parce que l'arche avait été volée, puis ça avait été gardé ailleurs. Puis là, ils voulaient transporter l'arche, puis ils l'ont mis sur un chariot. Je disais qu'il y a toutes sortes de chars dans l'Ancien Testament. Ça, c'était une autre sorte. Ils l'ont mis sur un char neuf. Oh, il était correct, par exemple. Un char neuf. Bien chaîné, là. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu, il avait des ordres bien spécifiques par rapport à
l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, ça représentait la présence de Dieu. Ça représentait la présence de Dieu. Et l'Arche de Dieu, c'était des sacrificateurs qui devaient transporter l'Arche. Rien d'autre chose. Et avec le char, à un moment donné, je pense que Dieu a permis qu'il pogne une roche, puis il allait renverser, puis Ouza, qui est venu pour l'arrêter, pour le retenir, il a touché à l'arche, puis il est tombé mort. On peut dire, c'est pas juste, mais il y a des conséquences à la désobéissance de Dieu dans l'Église. Parfois, il y a des victimes innocentes qui vont être touchées, qui vont être affectées par la désobéissance dans l'Église. Alors, c'est pour ça que dans l'Église du Seigneur, il faut avoir une sainteté. C'est pour ça que même dans le Nouveau Testament, il dit, si ton frère a péché, va le reprendre. Ça fait partie de l'œuvre dans l'Église. Pourquoi? Parce que le péché ne doit pas être là. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Achan avec le peuple d'Israël, quand il devait tout dévouer par interdit, puis lui, il en a pris, puis il avait caché ça en dessous du tapis dans sa tente. Et puis là, ça a amené la défaite parmi le peuple d'Israël. Il y a des conséquences dans l'Église quand on tolère le péché. Faut le reprendre. Faut corriger. Ésaïe 2:7, et puis là, c'est Ésaïe qui prophétise concernant Jérusalem. Et dans ce chapitre, il parle de la Jérusalem future puis de la Jérusalem actuelle. Alors, au début, les premiers versets, il parle de la Jérusalem à venir, comment ça va être extraordinaire. Et puis, après ça, au verset un peu plus bas, il parle de la Jérusalem actuelle. Et c'est ça qu'on a au verset 7 ici, là. Donc, à partir du verset 6, il dit, « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'il est rempli des pratiques de l'Orient. » Et là, c'est ça, il dit, verset 7, « Son pays est rempli d'argent et d'or, infinis sont ses trésors, son pays est rempli de chevaux, infini le nombre de ses chars. » Et donc, Israël, à un moment donné, Jérusalem, c'était ça, sa gloire, plutôt que de placer sa confiance et sa gloire en Dieu, c'était les chars. Alors, c'est là le problème. Et les chars, dans Josué, je vous invite à lire, c'est un événement qui est arrivé parmi le peuple d'Israël lorsqu'ils ont divisé le territoire et il y avait les tribus de Manassé et d'Éphraïm et donc, il y avait une chose qui était attribuée, puis c'était passé, on dit, ça nous en prend plus. Puis, alors, Josué dit, vous allez avoir la montagne. Ouais, mais c'est bien beau, mais là, la montagne, c'est de la forêt, puis il y a l'ennemi qui a des chars d'affaires, tout ça. Puis Josué dit, vous êtes capable. Vous allez déboiser, puis ça va vous produire, puis vous allez vaincre les chars. Et Dieu n'a pas tout fait. Le peuple d'Israël a dû lui-même se mettre à l'œuvre. Dieu n'a pas ôté le bois, il n'a pas coupé le bois, puis Dieu n'a pas vaincu l'ennemi dans ce cas-là ici. C'était eux autres à obtenir la victoire. Et Dieu nous appelle à ça. Dieu ne fait pas tout pour nous. Et puis, alors, c'est Josué, chapitre 17, à partir du verset 17, vous pourrez le lire. Deuxième point, c'est la main. Étends ta main. Dieu dit à Moïse, étends ta main. Étends ta main. Ça nous dit, dans ce qu'on a lu, et Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Est-ce que c'est la main de Moïse qui avait l'absence? Non. C'était obéir à ce que Dieu disait. La main, dans la Bible,
C'est un petit peu comme les champs. On trouve ça à travers la Bible. Il y en a plein partout. Puis la main, là, il y en a... La main est utilisée pour, comme symbole puis comme signe un peu partout. Puis aujourd'hui, c'est pareil. Hein? Nos mains, regardez, on n'est pas capable de parler sans faire aller nos mains. Hein? Moi, je ne suis pas capable, en tout cas. Je ne sais pas... Puis Robert non plus, je le regarde, Robert, quand il est en avant, puis lui, il est pareil, là. Hein? Nos mains se font aller comme ça. C'est la main, ça fait partie de notre langage. Ça fait partie de notre langage. Et même, hein, on connaît les sourds, là. Il y a le langage avec les mains, là. Moi, je ne suis pas capable, là, mais quand j'étais à la Chine, il y avait... Pasteur Binette, il travaillait avec l'Association des sourds, et puis il a appris tout ça. Fait que là, des fois, il m'arrivait, puis il me faisait des choses. Mais là, je ne comprenais rien, fait qu'il riait. Mais c'est ça, la main, ça a un langage. Hein? Et alors... La première fois que Moïse a étendu sa main, c'est quand il a rencontré... Vous savez, Moïse, il est parti d'Égypte. On connaît l'histoire de Moïse. Hein? Il s'est sauvé parce que là, sa vie était menacée parce qu'il avait tué un autre. En tout cas, il a été 40 ans au loin. Et là, quand Dieu a dit, bon, ben là, le temps est arrivé, là. Dans le temps, c'était pas mon temps, c'était ton temps, mais notre temps, c'est pas le temps du Seigneur. Il faut attendre son temps. Alors, le temps du Seigneur est arrivé 40 ans plus tard. Des fois, il faut être patient avec le Seigneur. Hein? Et puis, fait que là, à un moment donné, le Seigneur dit, « OK, jette ton bâton à terre, plomb. C'est devenu un serpent. » Le Seigneur dit, « Étends ta main, prends-le par la queue, c'est redevenu un bâton. » Ça, c'était la première fois que le Seigneur lui avait donné l'ordre d'étendre sa main. Mais il y en a eu combien d'événements après? Il a tendu sa main. Il y a eu les 10 plaies. Mais ça, c'est un aspect intéressant par rapport aux 10 plaies. Parce que la plupart du temps, là, c'est pas Moïse qui a tendu sa main, mais c'est Aaron. Aaron est devenu un couvrier avec Moïse. Très intéressant, l'histoire de Moïse avec Aaron. Très symbolique pour nous, l'Église. On n'est pas appelé à être autonome, à être tout seul. On est appelé à travailler ensemble. Hein? Et rappelons-nous, le Seigneur, quand il a envoyé la première fois les disciples pour évangéliser, là, il les a envoyés 2 par 2. Ça aussi, c'est un parallèle. Hein? Alors, Exode 8:2, Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Alors, on voit que Moïse, c'est lui qui s'est présenté au Pharaon, mais c'est Aaron qui parlait. C'est Aaron qui a tendu sa main. Alors, Moïse, c'est un peu comme le représentant de Dieu, et puis Aaron, c'est son serviteur. Un peu comme nous avec le Seigneur. Hein? C'est lui qui dirige, mais c'est nous qui faisons le travail. Il nous a... C'est un honneur pour nous. Hein? C'est un honneur pour nous. Dieu n'a pas besoin de nous autres, là. Hein? Dieu pourrait tout faire tout seul. Mais Dieu veut qu'on soit des co-ouvriers avec lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Une question. Pourquoi? Parce qu'on a parlé des plaies, là, puis tendre la main. Pourquoi Dieu envoie-t-il 9 plaies au lieu de la 10e plaie immédiatement? Parce que Dieu, il savait que Pharaon obéirait pas. Alors pourquoi il n'a pas envoyé la 10e plaie tout de suite, là? Regardez pourquoi. La parole de Dieu nous le dit. Exode, le chapitre 9, le verset 15. « Si maintenant j'avais étendu ma main... Et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre.
mais je t'ai laissé subsister. On a la réponse ici. Je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Hein? Et remarquez, la dixième plaie qui a fait décider Pharaon, Dieu aurait pu faire d'autres choses. Il donne l'exemple ici. Il dit, si j'avais envoyé la peste, là, tout le monde serait mort. Il n'y aurait plus eu d'Égyptiens, puis aujourd'hui, on n'en parlerait plus des Égyptiens. C'est ça que la Bible nous dit. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il dit, je voulais faire voir ma force. Pourquoi Dieu fait voir sa force? Pourquoi il parle de qu'il y a des chars qui se comptent par 10 000, puis par milliers, puis par milliers? Parce que Dieu veut montrer sa force, parce qu'il veut que son nom soit connu sur toute la terre, pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Pour qu'on puisse servir le Seigneur, mais servir le Seigneur, pas comme des esclaves, mais comme des fils et des filles. C'est ça qu'il faut comprendre. Servir le Seigneur, c'est pas marcher à quatre pattes là pour travailler, puis être toujours au bout du rouleau. Servir le Seigneur, c'est de jouir au meilleur possible de la vie avec le Seigneur. C'est ça que Dieu vise pour les enfants de Dieu. Oh oui, il y a des tribulations, oh oui, il y a des combats, mais toutes ces choses-là nous amènent à une relation meilleure avec le Seigneur, une communion qui va grandissante avec lui et qui fait qu'on se rapproche de lui de plus en plus. Nos mains pour honorer le Seigneur. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Nos mains sont appelées. Tape des mains. Levez nos mains. Donnez une bonne main. Hein? Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. On est appelé à ça, la main puissante de Dieu qui agit pour nous. Il étend sa main. Comme je disais tout à l'heure, la main, c'est un symbole dans les Écritures. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Psaume 19, 2, il dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » C'est un symbole, ses mains, parce qu'on sait que tout a été créé par la parole. Mais il se sert des mains comme un symbole. Parce que nous, c'est ça, la main, c'est le symbole de notre force. On travaille avec nos mains. Alors Dieu se sert de ça. Dans le même sens, la main transmet un message. Il y a eu un événement dans Genèse 48, 14, lorsqu'Israël, c'est Jacob, ça, son nom a été changé en Israël, et qui a prié sur les fils de Joseph pour la bénédiction. Et il aurait dû mettre sa main droite sur le plus vieux, qui était Manassé, et sur le plus jeune Éphraïm, la main gauche. Mais il a fait l'inverse. Parce que ça avait un sens à ça, parce qu'Éphraïm est devenu plus important. C'est ça qu'on voit là dans les Écritures. Alors, Israël, Jacob, c'est un homme de Dieu, là. Même s'il avait plein de défauts, et c'était comme une prophétie quand il a mis sa main droite sur Éphraïm plutôt que Manassé. Et c'est ça qu'on voit. Et c'est un autre symbole dans le Nouveau Testament, lorsqu'il reconnut dans Galates 2.9, ça c'est les questions de Paul, lorsqu'il reconnut la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, Cephas et Pierre, hein, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Oui, la signification des mains. Ainsi, nous irions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et la parole de Dieu, encore une fois, la main qui est un grand symbole de sécurité, c'est la main de Dieu. Jésus, quand il est mort, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il nous parle de la même sécurité dans la main de Dieu. Jean 10, 28, « Personne
ne les arrachera de ma main. Ça, c'est la sécurité. Et Marc 1, 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et dans Actes 4, 30, les premiers chrétiens dans l'Église ont prié à Dieu, ils ont dit, « Étends ta main. » Et on prie comme ça, souvent même aujourd'hui, hein? « Seigneur, étends ta main, touche. Hein? Touche les cœurs, touche les vies. » pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dernier point, la crainte et la foi. L'heure avance rapidement. On va essayer d'aller vite. C'est pas grave? Non? Correct. La crainte et la foi. La crainte et la foi. C'est un sujet qu'on connaît quand même assez bien. J'aimerais qu'on puisse lire quand même dans Proverbes un texte qui a rapport avec... la crainte et la foi. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Faut bien comprendre que quand il dit de ta bouche, la parole, c'est la parole de Dieu là, à laquelle on fait allusion. Paul, dans son épître, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Hein. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera. Alors, tout ça, c'est rattaché avec la crainte de Dieu, hein? Jacques, dans son épître, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça vient de Dieu. Hein? Alors, Dieu, si on pense au peuple d'Israël, la peur l'a amené à la crainte de l'Éternel. On va y revenir un petit peu, là. La crainte de Dieu et la foi, ça agit ensemble. Dans la vie du croyant, donc, la crainte fait grandir la foi. Pourquoi? Parce qu'elle nous pousse à crier à Dieu, à consulter Dieu. Et par ça, ça nous fait grandir, ça fait grandir notre foi. Proverbe 14, 26, il dit, « Celui qui craint l'Éternel possède grande confiance, et son fils et ses fils ont un refuge auprès de lui. » On revient à Exode, juste un petit peu ici, les versets avant. Le Pharaon approchait. Alors, on a lu au début qu'il avait préparé des chars d'élite, puis tous les chars. Alors, on ne sait pas combien il y en avait exactement, mais il y en avait beaucoup. Élite, c'était quoi? C'était 600, je pense, qu'il y avait là. Puis plus toutes les autres. Et voici, les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. C'est intéressant. Hein? Au moins, il y a eu une bonne chose qu'ils ont faite. La première chose qu'ils ont faite, ils ont crié à Dieu. On sait que après ça, ils ont chialé après Moïse. Hein? Verset 11. Mais ils avaient quand même crié à Dieu. Ils avaient ça de bon. Ça ne vous fait pas penser à nous autres un petit peu, des fois, hein? Hein? On crie à Dieu, mais là, parce que, boum, ça ne se fait pas comme dans un clin d'œil. Là, on chiale. Comment ça se fait, Seigneur, que ça m'arrive, ça va pas le temps? Je suis fidèle, puis je vais à l'église, puis je paye ma dîme, puis je lis ta Bible, puis, tu sais, hein? Bon, là, c'est pas vous autres. Moi, c'est comme ça, là, mais... Merci.
N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Heureusement qu'il y avait Moïse, hein? Heureusement qu'on a les frères et les sœurs qui sont là pour nous encourager. Hein? On n'a plus Moïse, mais notre frère, notre sœur, le pasteur, tu sais, est là pour encourager. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte. » Wow! Facile à dire, ça, hein? « Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver. Le secours est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous... » Ferme ta gueule. Gardez le silence, hein? Wow! Gardez le silence. Mais tout ça a fait qu'ils ont vécu, bien sûr, un grand miracle. Hein? Dieu a agi pour eux. Il y en a qui ont dit, oh, quand ils ont traversé la mer, là, c'est parce que c'était la marée basse, puis il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'est parce que c'est un temps de l'année, il y a un temps de l'année où l'eau est à basse, tout ça. Mais là, voyons, comment s'il a fait pour les noyer dans 6 pouces d'eau? Hein? Alors, Dieu a fait un grand miracle. Hein? Il a fait un grand miracle. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Attendez patiemment. C'est une chose, on a de la misère à faire dans notre vie, mais c'est le secret de la victoire, ça. Hein? Merci Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire pour régler mon problème, mais je te fais confiance. Hein? Je ne sais pas quand tu vas régler mon problème. C'est ça qui est le plus difficile. Hein? C'est le quand. Amen. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Puis en terminant, juste un dernier verset. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange de notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, une louange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Nos conducteurs de louange, là, laissez Dieu mettre sa louange dans votre bouche comme vous le faites. Hein? Puis Bertrand, puis Robert. Hein? On est bénis par les cantiques, par la louange, comme ça. Puis Pierre Archambault qui dirige la louange. Le Seigneur nous touche par ça. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Et ils se confieront à l'Éternel. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Respect de Dieu. Pas de peur, c'est différent. Hein? Je crains Dieu. Papa, j'ai peur. Non, non. Je suis dans sa main. Nul ne nous ravira de sa main, nul ne nous arrachera de sa main. Alors, et ça fait grandir la foi. Ils se confieront l'Éternel. Ils auront la foi en Dieu. C'est ça. Hein? Se confier, avoir la foi en Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Levons-nous ensemble. Terminons par un mot de prière. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur Jésus, parce que ta main est sur nous. Ta main est là pour nous secourir. Ta main est là pour nous prendre la main et nous relever lorsqu'on tombe. Ta main est au-dessus de nous lorsque les attaques viennent, lorsque les bombes tombent sur nous, des bombes symboliques. Ta main nous protège. Merci Seigneur Jésus. Ta main qui nous donne une main d'association à travailler pour toi, parce que nous sommes co-ouvriers avec toi. Et nous voulons, Seigneur, t'obéir. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, faire l'œuvre que tu nous as appelés à faire avec toi. Seigneur, entreprends pour les besoins de chacun. En terminant, sois avec nous chaque jour. Bénis-nous, Seigneur.
avec ta main bénissante. Amen. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous.